dans le cadre de mon travail booster qui consiste à donner des conseils aux artistes, aujourd'hui je vais donner des conseils à Jean-Jacques Allemand. Et donc par rapport à son installation qu'il a réalisée à Mac Paris, là, parce que je trouvais que le principe était bon de faire réaliser des tags, des réactions à des gens, mais il a réalisé une sorte de station de métro, mais un petit peu seulement avec des personnages. Des personnages qui sont vraiment typiques de son univers. Malheureusement, c'est vrai qu'on est un peu frustré parce qu'on a une bande au milieu et puis on écrit sur d'autres univers qui sont un petit peu différents. Donc là, le conseil que je, la réaction par rapport à ce travail, ça aurait été de la prochaine fois peut-être de faire des bandes plus immersives dans lesquelles on aurait vraiment la possibilité de rester dans cet univers de métro jusqu'au bout de graffiti du métro avec des personnages là qui sont inspirés de la vie de tous les jours aussi, sur lequel on peut réagir, faire des commentaires de toutes sortes comme ont déjà commencé les gens. Parce que en fait, effectivement, dans le travail de Jean-Jacques Allemand, le texte semble avoir une grande importance et dialoguer avec ces petits personnages modelés. Mais c'est très difficile de jouer sur le texte, parce que bien sûr le public est toujours dans la rapidité, etc. Et donc faut qu'il se pose. Qu'il ait envie de lire le texte, surtout dans un salon où il y a beaucoup de gens. Donc comment faire, en fait la réflexion qu'on peut avoir, c'est comment faire pour donner l'accès facilement au texte, aux gens. Et donc effectivement, le fait de leur faire à leur tour écrire, ça peut leur donner envie de lire. Donc ça peut être un petit peu intéressant. On voit d'ailleurs que les gens ont choisi souvent d'écrire du texte et d'assez peu dessiner ou de faire d'autres choses. Ça, c'est une majorité de textes. Donc, générer du texte pour avoir envie de lire, ça peut être une approche intéressante. Donc, à voir comment seront les prochaines constructions. On voit vraiment d'autres travaux là, des fois qui peuvent être assez denses. Donc, en plus, le fait de jouer sur la densité de l'accrochage par rapport à des textes qui peuvent être aussi denses, je pense que là, ça facilite pas le travail de médiation pour les visiteurs. Il faut vraiment qu'ils soient concentrés. En plus avec des jeux de mots, en plus donc beaucoup de textes et avec des jeux de mots, donc c'est un travail très difficile, très 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 difficile, d'autant plus que vraiment des fois il y a un texte extrêmement dense là. Alors comme ça occupe, une fois qu'il y a l'acheteur qui a ça chez lui, il peut s'occuper à le relire une grosse fois par rapport à un texte qui sera plus simple et qui par contre à ce moment-là, c'est plus accessible rapidement pour dans un cadre d'un salon visiteur. Peut-être qu'on peut s'enlacer un peu plus vite, je ne sais pas trop. Quelques réactions sur le travail de Jean-Jacques Allemand, avec vraiment des accrochages très très différents. Quoi. Là par contre on remarque l'univers interactif de graffiti ici. Là une espèce de densité de tableaux en colonnes qui aurait pu être reproduit dans tout l'espace. À la limite on aurait pu décider de faire un accrochage comme ça. Là un seul petit tableau sur un espace, là quatre grands. Donc un choix, est-ce qu'on se demande, est-ce qu'il n'y a pas des hésitations, ou alors c'est pour montrer différents univers possibles. Voilà. Donc vous pouvez en savoir plus sur Jean-Jacques Allemand en regardant son propre site.